Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à la parabola GNU Linux Libre, ou parabola pour faire plus court. C'est avec la Trisquel, l'une des rares distributions 100% libre, qui soit à peu près utilisable au quotidien. Le reste tenant plus du gadget pour geek élitiste. Voilà. Donc, si la Trisquel est basée sur la Ubuntu, la parabola se base sur Arch Linux. D'ailleurs, si on va sur le site officiel de la parabola, c'est précisé que c'est une base Arc suivant les directives de la Free Software Foundation. Bref. Et qu'il y a trois architectures, x86, donc les PC 32 bits, les PC 64 bits, et ARMVH7, donc je suppose être les Raspberry Pi et des trucs de ce style. Si on va sur la page de téléchargement, on s'aperçoit que la dernière image ISO est une CLI, en clair, ligne de commande avec OpenRC. J'ai essayé, ça plantouille. Donc ça des courses. J'ai installé une parabola dans une machine virtuelle. J'ai primaté, parce qu'une des deux options, quand on clique dessus, ça s'aperçoit, c'est vous avez soit avec OpenRC et XDE, soit avec systemd et maté. Donc j'ai pris l'option systemd et maté, que j'ai installé en utilisant mon guide. Vous aurez tout dans le descriptif comme d'habitude. Et d'ailleurs, un article de blog aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais comme ça, vous êtes au courant. Il y a tous les détails techniques croustillants. Donc, voilà. La parabola est installée. J'ai mis dedans un navigateur web, l'équivalent de Firefox et Thunderbird. J'ai mis LibreOffice, j'ai mis GIMP. Bref, je me suis fait une petite tambouille à peu près potable et à peu près utilisable. Et on va voir ce que ça donne. Mais aussi, pour éviter qu'on s'arrache la rétine, j'ai changé le fond d'écran. J'ai changé aussi l'apparence. Donc, j'ai mis un thème comme celui que vous voyez ici. Voilà. Donc là, le thème Arc GTK avec les icônes Arc. Parce que pourquoi pas, c'est sympa. Donc, ah mais j'ai oublié de faire... Mais zut. Voilà, ça j'ai oublié. J'ai oublié de mettre en route la DM. Donc, c'est pas bien grave. Je croyais l'avoir mis. Aller à la direct. Et là, je vais faire un petit start. Donc voilà, vous allez voir, j'ai aussi reconfiguré l'IDM pour qu'il y ait une apparence un peu plus sympa. Par contre, il n'y a aucun logiciel non libre. Il y a un paquet qui s'appelle Your Freedom qui bloque l'installation par exemple de VirtualBox, de VMware. Il n'y a pas Pacor, il n'y a aucun paquet en provenance d'AUR. Le seul paquet, c'est ce qu'on appelle le PCR, Parabola Community Repository, qui contient Octopi. Bref. Donc voilà à quoi ressemble la parabola GNU Linux libre. Pour employer le nom complet. Et ne pas parler par SIGNECDOC. SIGNECDOC est une forme de métonymie, en clair, désigner l'ensemble par un des éléments. C'était la partie culturelle. On voit qu'il y a le fantôme d'Octopi. Donc là, il y a l'image ISO de téléchargement, d'installation de la parabola. Donc vous voyez quand même, j'ai mis de quoi travailler. LibreOffice, j'ai mis GIMP et compagnie. Et bien sûr, comme pour des raisons de marque déposée et de charte graphique, il n'y a pas IceWizel, enfin il n'y a pas Firefox et Thunderbird, mais IceWizel et SDove. Il n'y a pas Chromium et même pas Iridium, donc là, vous n'avez que ça. Je reviendrai après dessus parce qu'il y a un petit truc qui fait tiquer. Donc on a tout ce qui est Octopi, LibreC et compagnie. Bon, déjà, c'est pas si mal que ça. Mais par contre, je ne pourrais pas passer en plein écran. Il n'y a pas les pilotes VirtualBox. Parce que ce sont des paquets non libres. Et on est sur une distribution 100% libre au sens de la FSF. En clair, aucun logiciel propriétaire ou non libre. C'est dommage pour des trucs comme VirtualBox, par exemple. Bref. Donc, bien sûr, c'est une Arch Linux, donc automatiquement, on a du logiciel frais. Très frais, même. Même si parfois le noyau est un peu vieux, mais ça, c'est pas grave. On peut avoir une ou deux versions de retard pour le noyau, c'est pas trop grave. Tout qu'avec la tendance aux sorties stakhanoviste du noyau depuis quelques versions. Voilà. Donc, un petit NeoFetch pour vous montrer l'installation de l'ensemble. Voilà, donc je fais un petit NeoFetch. Voilà. Il y a un peu plus de 550 paquets. On est dans les 325 mégas consommés. Énorme, non? Et là, bon, je suis avec ArchGTK2 et compagnie. Voilà. Et c'est le noyau 4.18.11. C'est le 4.18.13 aux dernières nouvelles.
Mais là, on va parler des trucs qui vont un peu fâcher, c'est qu'il y a pas mal de paquets obsolètes. Et là, ce sera plus simple que je passe en plein écran pour vous montrer tout ça. Donc, parce que je vais avoir besoin de Firefox, d'Iceweasel. Donc là, je passe dans une résolution plus grande. Voilà, on commence cette configuration. Vous le savez, Iceweasel, c'est la version, dirons-nous, revampée graphiquement de Firefox. Mais il y a un gros bug, le temps qu'elle démarre, voilà, c'est que sa version est assez ancienne. Elle est en anglais, alors je demande le français aussi. Bon. Add-ons, language. Ah d'accord, le français, pack français est désactivé, ne peut pas être utilisé. Bah. C'est dommage, mais si on regarde la version, c'est encore plus dommage. C'est une version 61. Et si on va sur Firefox, enfin sur Mozilla.org, et si on fait un download Firefox, bien sûr, pardon, donc download Firefox, desktop, voilà, download now, il va bien sûr encore me télécharger la version, mais je ne veux pas qu'il me. D'ailleurs, il me détecte même pas que c'est un Linux, donc c'est peu dire. Donc, on va essayer autrement. Desktop. On va trouver le moyen de le récupérer. Alors, voyons, 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 voyons. On va dans le blog, ce sera plus simple. Et normalement, il doit annoncer la sortie. Voilà. Ça, c'est la version 61 qui était sortie, je suppose. 62. C'est quelle version? Alors, New. Voilà. Ah, 27. Voilà. Donc, si on prend la version Linux 64 bits, il nous dit 62.0.3. Déjà, ça pique. Donc, on se retrouve avec un Firefox vieux d'un mois minimum. D'ailleurs, si on va sur parabola.nu, tout court, et si on regarde au niveau des paquets, on s'aperçoit, bon, il y a les trois architectures, on va prendre uniquement celle-là. Donc, on s'aperçoit qu'il y a 11 000 paquets. Donc, en gros, 100 paquets par page. Et si on regarde les dates d'obsolescence, il y a des paquets qui sont obsolètes depuis presque 2 ans, au moment où j'enregistre la vidéo. Et on a quelque chose comme une page et demie ou deux de logiciels obsolètes. Voilà. On a presque 2 pages de logiciels obsolètes. Et si on regarde bien, un concerne Iceweasel, donc Firefox. Et ça pique. Pour simplement de raison, donc je vais chercher Iceweasel, c'est que le paquet n'a pas de mainteneur. On se retrouve face au problème classique du manque de main-d'œuvre suite à une dispersion trop importante des projets du livre. C'est encore un manque de main-d'œuvre qui frappe ici. Et si on regarde sur les bug reports, on s'aperçoit que la demande pour qu'il y ait la version 62 a été ajoutée début septembre et il y a 9 jours, 72.0.3, annonçant cette correction de paille de sécurité. Voilà. Donc en gros, on se retrouve avec un Iceweasel qui n'est pas 100% sécurisé. Et ça pique. Autre point, c'est aussi par rapport à tout ce qui est monté en droit dans Mate par exemple. Parce qu'il y a Cocktopic qui fonctionne. Il y a PapaCore et compagnie. Enfin, pas Mac ailleurs, pardon, je veux dire. Si on cherche pas Mac, que dalle. Et pour monter en droit temporairement, on est obligé de passer par GKSU, qui, jusqu'à preuve du contraire, est un paquet obsolète. Enfin, un paquet qui n'est plus conseillé à l'utilisation. Voilà.
Michael Cyprien se quitte. Donc autant dire que on se retrouve déjà 2.02, 2.06. Donc on se retrouve avec l'usine logicielle qui est obsolète, de par la déclaration de ses mainteneurs. Voilà. Donc on se retrouve déjà non seulement avec des versions de Firefox, enfin d'IceWizard qui sont trop anciennes par manque de main-d'œuvre, on se retrouve à utiliser des technologies qui sont obsolètes. On ne peut pas utiliser certains logiciels parce qu'ils sont non libres, mais ça, si on prend une distribution 100% libre, on se doute qu'on aura des limitations. Ça, c'est le principe. Et un autre point que je voudrais aborder, je me demande presque si c'est pas lié au projet que je surnomme Archbian, à savoir la Hyperbola. Hyperbola, c'est ça. C'est un projet qui mélange Arch avec des paquets Debian. C'est pour ça que je surnomme Archbian. Voilà. Et si on regarde au niveau des paquets, parce qu'on avait vu qu'il y avait à peu près 150 ou 200 paquets obsolètes pour la Parabola, on s'aperçoit que pour la Archbian, qui a en gros deux fois moins de paquets, parce qu'on passe de 11 000 à un peu moins de 6 000, un peu moins de 5 900, donc on va dire presque dans les 45% de. En gros, il y a 45% de 55% de paquets en moins sur la Hyperbola, dans ces eaux-là. Si on regarde les paquets qui sont marqués comme obsolètes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 paquets obsolètes sur plus de 5 800. Ça fait pas grand-chose, hein? Est-ce à dire que les développeurs de Parabola maintenant préfèrent se concentrer sur le projet Hyperbola? C'est possible. Mais c'est quand même dommage si c'est le cas. Parce que le projet Parabola, qui était l'un des rares projets vraiment utilisables dans le monde de distribution 100% libre, sans qu'on tombe dans le truc pour geek qui s'arrache les cheveux pour essayer n'importe quoi. D'ailleurs, si on regarde sur le wiki, on peut migrer d'une Parabola vers une Hyperbola. Ce qui en dit long. Donc, est-ce qu'il est à craindre que la Parabola est en train de filer un mauvais coton? On peut le craindre que oui. Sinon, elle est utilisable, mis à part, bien sûr, les limitations pour certains logiciels, mais il faut l'installer à la main, comme on installerait une Arch Linux. Et là, parce que sinon, les logiciels sont vrais, mais le problème, c'est que il y a des trous. Ne serait-ce que VirtualBox qui n'est pas disponible. Mais on peut se dire aussi que les deux projets se concurrencent et que les développeurs préfèrent se concentrer sur la Hyperbola, la Archbian, comme je la surnomme, que de rester sur le projet historique. Conséquence, le projet historique, eh bien, il se prend des claques au niveau de fraîcheur de logiciel. Parce que naviguer avec utiliser un navigateur vieux d'un mois de nos jours, en dehors d'une version dite long terme, c'est dangereux. C'est ultra dangereux. C'est tout, quoi. Bon, il y a VLC. Après, c'est la Logitech d'Arch Linux, pour une grande partie. Mais c'est quand même dangereux. Donc, voilà, je vous montre en gros ce qu'il y a. Mais sur LibreOffice Writer est récent. Très récent, même. Mais sur le plan de la fraîcheur de logiciel, c'est dangereux. C'est ça qui est dommage. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. C'est dommage que la Parabola se fasse, pour dire nous, vampiriser par le projet Hyperbola. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Voilà. Je voulais pas faire une longue vidéo parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mon ressenti, c'est que, en se basant sur les faits par rapport aux paquets qui sont obsolètes depuis des mois et des mois, que le projet Parabola est de moins en moins supporté par ses développeurs. Voir qu'il n'y a pas de mainteneur pour les navigateurs internet principaux, ça pique quand même pas mal. Et ça en dit long sur. Ça pourrait en dire long sur la vivacité d'ensemble. C'est dommage, parce qu'avec la Trisquel qui n'a qu'un développeur derrière, sauf erreur de ma part, c'est le seul projet de distribution 100% libre qui reste utilisable. Voilà. Donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus par cette vidéo, qui n'est pas super joyeuse. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous. Et à la prochaine, ciao!